Lors de l'accord de Paris de la COP21 en 2015, notre pays a adopté un ensemble de mesures contenues dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Par ailleurs, deux plans ambitieux de rénovation pour la rénovation énergétique de l'habitat ont été adoptés en 2013, puis en 2018. Le secteur du bâtiment est particulièrement ciblé par les politiques publiques car il représente 45% de la consommation d'énergie finale de la France. Il est donc légitime que les objectifs fixés au secteur soient ambitieux. Rénover 500 000 logements par an et toutes les passoires thermiques d'ici 2025, mais aussi réduire la consommation énergétique finale des bâtiments de 15% en 2023 et 28% en 2030. Cette ambition doit être partagée par notre région, tout particulièrement là où les revenus moyens de nos concitoyens sont inférieurs aux revenus médians et là où les enjeux de restructuration du tissu urbain sont les plus coûteux, c'est-à-dire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. C'est pourquoi nous vous proposons de réorienter une partie des crédits disponibles, c'est-à-dire une dizaine de millions d'euros, au titre de la politique de la ville, à la rénovation énergétique dans les opérations de renouvellement urbain, au bénéfice des opérateurs de logements. Vous avez fait référence, Monsieur le Président, au fait que les organismes HLM avaient besoin de soutien aujourd'hui pour mener à bien les opérations de renouvellement, mais également au bénéfice des collectivités locales, notamment en appui des efforts de l'ANRU. Nos concitoyens habitant ces quartiers souffrent pour boucler leur fin de mois, notamment face à la prise en charge des factures énergétiques. En les accompagnant par une accélération et une meilleure prise en charge des programmes de rénovation thermique, vous contribuerez à leur donner du pouvoir d'achat et favoriser peut-être une prise de conscience qui semble loin de portée quand on souffre financièrement. Il faut en effet d'abord aider à boucler les fins de mois pour pouvoir interroger sur les enjeux de fin de monde, et c'est à ce grand dessein que nous vous proposons de nous rejoindre.